Maintenant, on va agir sur les carotides ici et tout le système sanguin du cou, là. Donc, dans l'idée, c'est pas évident à expliquer, mais on va faire étape par étape. Dans le creux de votre coude, vous mettez bien ici. C'est-à-dire, vous faites ça. Ah, excuse-moi. Vous entendez ? Non ? Ici. Déjà, là, si je serre, voilà, ça touche. Pardon, Barthez, excusez-moi. Donc, vous allez vraiment doucement. Ce que je vous dis, si quelqu'un vous verrouille, surtout dans cet étranglement-là, 5 secondes, c'est perte de connaissance, hein, parce que le cerveau n'est plus irrigué. Vous allez tester, hein, doucement. Pareil. Pas la perte de connaissance, hein. D'accord ? Vous allez doucement. Et il tape dès que ça picote. Voilà, top. Yes. Important, quand vous tapez, tapez toujours sur le bras du gars. Parce que des fois, il y a du bruit, et l'autre, il est là, il fait... Il se ruine la cuisse, il a un hématome énorme. Et l'autre, il fait, mais t'as qu'à taper, j'entends rien. Taper sur le bras du gars, c'est important. Donc, on a dit, ici. Donc, le cou, dans le creux du coude. Vous repliez ici, et vous présentez la partie osseuse. Ça donne ça, comme un ciseau, quoi. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qui se passe? On fait compression sur les carotides ici. C'est pas fini. Donc déjà, vous testez ça. Évidemment, il peut taper. Hein. Dans l'idée, vous vous protégez. Ça prend une seconde. Je te le fais en une seule fois. D'accord? Bouge pas, détends-toi. Voilà. Donc si la personne... Est-ce que tu m'as fait? Ça va? Ouais, ouais. Si la personne... Je verrouille pas à la fin, je vais lâcher. Mais si la personne... Ça va très vite si la personne... Est-ce qu'il a ses yeux qui sont encore là? Ouais, c'est bon, ils ont pas roulé? Est-ce que tu m'as fait? Ceinture verte en même temps. Je prends le truc là. Après, il y a le plus grand là-bas. Oui, ce que je disais. Si je serre très fort, ça prend 5 secondes, même pas, ça va très vite. Normalement, on tape, hein, c'est toujours pareil, on peut attraper, boum, une frappe ici, c'est très très violent. Bon, bref, dans l'idée, je suis ici. La partie osseuse comprime les carotides. Alors là, bon, excusez-moi, c'est pas pédagogique, heureusement que je suis pas filmé, hein, d'accord? Faites un bras d'honneur. D'accord. Et là, vous êtes calé pour verrouiller sur la tête. Donc là, normalement, si je serre très fort, c'est très difficile pour lui de sortir. C'est pour ça que vous devrez, on va le faire juste après, excuse-moi, la défense, il faut vite agir avant que ça verrouille. Donc dans l'idée, c'est 1, 2, 3. Et là, non seulement je vais faire ça, je vais me replier sur moi-même, donc je vais tout compresser, tel un serpent. Mais en plus, je vais uriner les cervicales en penchant sa tête vers l'avant avec ma main qui reste en haut. Donc, un, bras d'honneur, et je serre. Et là, ça, oui, voilà. Et surtout, vous massez après parce que c'est pas agressif. C'est pas anodin, d'accord? Il se peut que les deux yeux en même temps soient éjectés. Ça marche sur les grands aussi, hein. Mais il faut sauter. Voilà. Soit on saute, soit on le descend. Et à la fin, je tourne. Vous connaissez cette habitude, ok? Il a sa carte de fidélité des étapes. Si on fait tout en même temps, on va peut-être zapper des étapes et je serre et ça sert à rien. Pas grave, on adapte, hein, d'accord, dans l'idée. Donc vous allez juste faire ça, il faut vraiment dans l'idée que vous colliez bien, comme un serpent, ça c'est la grosse branche, chevelue certes, mais c'est une branche, et le serpent s'enroule autour, dans l'idée. Et dans l'idée, la pointe du coude est vraiment comme si c'était un deuxième menton à la Bogdanov, là, vous voyez. Voilà, pas ici. Sinon, on est plus sur du... Oh, un petit peu. C'est là, les carotides, c'est les grosses artères qu'il y a ici. Hein. Donc normalement, on peut faire un étranglement sanguin comme ça. Ouais. Maintenant, tenir un mec comme ça, en général, il va comprendre, il va sortir de là. Mais, il suffit même avec deux doigts, hein, c'est pour ça, ça va très vite. Au sol, il suffit de comprimer les carotides, le sang n'est plus irrigué au cerveau. Maintenant, pour maîtriser un gaillard comme ça avec deux doigts, avec des pincettes. Bref, donc on a dit doucement, ici. Déjà, voilà. Et l'important, c'est qu'il n'y ait pas d'air qui passe tout autour de la gorge. Et on serre, voilà, et on stoppe. Si là vous l'avez, très bien. On fait la finition à la fin doucement. Ici. Et par contre, c'est pas là. Hein. Là, je crée de l'air. Hein. C'est contact non-stop, on va doucement. Hein. Là. Là, déjà, il y a action hein, au niveau des os. Sur les carotides, ça fait pas du bien. Le plus près possible. À la gueule, je prends appui sur son épaule ici. Là. Et je verrouille doucement. Et je serre, dans l'idée. Et vous massez après parce que c'est pas anodin, ça va? Ouais. Donc essayez déjà avec un bras pour être bien positionné. Merci beaucoup. Allez-y, c'est parti. Et que ça tousse. Et vous êtes tous enrhumés ou quoi? Pourquoi vous toussez comme ça? Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite.